Salut tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode sur l'aventure de Shenmue dans le CD4 encore une fois. Et cette fois-ci on doit chercher du bois. Bonjour Bigito. Eh oui, bonjour à tous. Voilà, donc allez, prenons du bois. Ça ne suffira pas, non, pas une branche. Il en veut plus. Alors on va rester en vue subjective, c'est plus facile comme ça. C'est bizarre qu'il y a des branches comme ça éparpillées dans une grotte. Ouais, peut-être des animaux qu'ils ont fait intérieur ou je sais pas quoi. Ah, donc on va-t-on rencontrer un ours? Ouais, c'est... on l'attend ce combat avec l'ours, hein. Même s'il existe pas. Oh, ce spoil. Tu as cassé des rêves. J'ai cassé des rêves. Eh, il y a des petites statues, des trucs comme ça, des trucs bouddhistes. On va dire qu'on a abattu un ours dans le CD3. Oui, c'est un très gros ours, même un éléphant on pourrait dire. À ce niveau-là, carrément. Le mec il cassait le sol et tout. Ouais, Donio il était sympa comme combat quand même. Ouais. Il était pas très dur, hein. C'est pas le combat le plus dur du jeu. Mais les quick time sont très très durs à la fin. Heureusement j'y suis arrivé. Mais par contre, le combat contre Bayou, lui est beaucoup plus dur. Il faut beaucoup plus de concentration. Ouais. Bayou c'est le gars juste avant Donyu, l'espèce de personnage déguisé en robe de chambre, je sais pas comment il était trop déguisé. Il était maquillé tout blanc, enfin un personnage théâtral japonais quoi, de Kabuki, voilà c'est ça le nom que je cherchais. Le théâtre japonais. Ouais, là, et c'est un personnage très charismatique et il est très dur à battre. Hein. Regarde, il y a des statues là, des statues bouddhistes. De Bouddha. Alors je sais pas trop où je m'enfonce. Ah c'est bon, ça devrait suffire là. Yappari, oku ni atta no ne. Ah, mada ari so da. Ah, motto atsumete kuru yo. Il en faut encore plus. Alors ils sont en février, c'est ça? Si je me trompe pas. Oui, il me semble bien. Ils ont pas l'air de crever trop de froid quand même. Hein, même, je crois même que c'est le 14. Nuit, c'est le 14 février même. La Saint-Valentin. Ah, le jour de la Saint-Valentin en compagnie de Chinois, ma foi. le truc c'est que ouais, je disais qu'ils ont pas l'air de trop crever de froid. Malgré le fait qu'ils sont en plein hiver. Ça reste un jeu vidéo évidemment. Ouais. Bah, dans Shenmue 1, on le voyait bien l'hiver. Ça se trouve, le climat est assez réaliste. Oui, possible, ouais. Peut-être c'est dans vraiment le sud de la Chine, là où il fait plus chaud. Oui, et en fait, voilà, au mois de février, il doit faire quand même assez chaud. Même chez nous, au mois de février, il y a quand même de bonnes températures. Oui, mais la nuit, il gèle. Oui, la nuit, oui. Bah, c'est pour ça qu'il faut un feu, justement. D'accord, mais bon. Tu vois, bien chauffé auprès du feu, Ryu. Viens juste à côté de moi. Oui. Il est pas très bavard, yo. Attakai. Ah. Ryo. Mais nani ka hanashite? パールモア。シェンファは普段村で何をしてるんだ。畑で野菜を作ったり、ヤギに餌をあげたり。学校には行ってるのか。村にないの。必要なことは父や村の人たちから習ったわ。シェンファは今いくつなんだ？16。俺の2つ下か。あ、セビンさん、セビンさん。学校には行っていた。学校って楽しい？ Ah, 学校には友達がいてよく遊んだ。いや、toujours au lycée。学校か。楽しそう。寮の友達ってどんな人？寮は toujours au lycée。Bon, il a mis en pause apparemment。Ouais. On peut parler de ses amis. Tu vas parler de Tom. Tom がいたな。Puis le mois de novembre ou décembre, je sais pas quand c'est le prochain. Mais il a mis en pause le lycée. Alors on parle de Tom, c'est le black qui est à l'entrée de la ville. Hot dog qui vend des hot dogs. Ses cheveux rasta.
踊りが好きで、hey, いつもよく歌っていた。楽しそうな人。ああ、若い時に技も教えてくれた。その人は今？故郷に帰った。今でも元気にやってるはずだ。はい、à la fin de Shenmue, il part chez lui. 他にはどんな人が？Il dit à Ryo et lui apprend son coup spécial. 原崎がいた。Nozomi. 原崎、どんな人？写真を持ってる。日本の女の人ってみんなこんなに綺麗なの？どうかな。Putain, il est vénère. とっても優しそう。Ouais, c'est la photo. Généralement, il aime pas prendre des photos. 俺のせいでずいぶん迷惑をかけた。Et les sourcils foncés. 何かあったの？港のたちの悪い奴らにさらわれたんだ。それで？助けたよ。よかった。Bien. だけど。C'est bien. Tu vas sauver. Je l'ai sauvé. C'est bien. Merci, Shenmue.カナダにいる。カナダ？遠い国だ。Elle aussi, elle a déménagé, décidément. Il y a pas beaucoup de monde qui reste au Japon dans ce jeu. 俺にはやることがある。C'est pour le drama. それが終わってからだ。Même Ryo, apparemment, il est pas pressé de retourner dans son pays. 他にはどんな人が？Ah, Gizan.Le premier rival, le fils de Master Chain. 強情なやつだったけど、誇り高くて、自分の父親を心から尊敬していた。Très fort en combat. その人は今、d'ailleurs on a une séquence mémorable de son gars avec lui. 怪我を負ってしまった。Il a été blessé, voilà, il a été blessé et normalement il aurait dû venir à la place de, personne, il aurait dû venir avec Ryo. Oui. Si c'était pas blessé.Aussi... C'est dommage, j'aurais bien aimé faire l'aventure avec Gizan. Il y a aussi une séquence mémorable où il se combat contre Gizan. Oui, c'est vrai. Un combat très très beau. Oui, c'est vrai que c'est un grand maître. C'est le fils d'un grand maître, tout simplement. Ouais, tu le reverras dans Shenmue 3, sûrement, mais. Il aura récupéré d'ici là, je pense. Goro? Un Goro, la racaille. Oui, la racaille du port.あいつはカツアゲをやってて、カツアゲって人を脅してお金を取ることだ。悪い人なの？いや、根はいいやつさ。もう悪いことはしていない。ゴローはお調子者だった。どんな風に？態度がすぐに変わるんだ。俺もいつの間にか兄貴って呼ばれてた。面白い人。ゴローには港で荷物を運ぶ仕事を見つけてもらった。ああ。村にもあるわ。牛を何頭も持ってる人がいて。いや、機械で運ぶんだよ。機械？Notamment avec les courses de Ryo は、de machines, いろんな経験をしてきたのね。de chariot élévateur. Un début de journée à chaque fois, c'était assez sympa. シェンファーは、notre pote Mark, いつも一人でこんな山道を。qui fait tout un tabasser le pauvre. Ryo は、一人で中国に。par les made angel. ああ、トウ・リショウって人に会いに香港へ来たんだ。香港。その人には会えたの？ああ。どんな人？八極拳の老師だ。老師？メトリスティルバジー、セサソン。老師の写真がある。そのアーマーシアル。アーマーシアルチューイング、リショート、エチューイング。青い服の人だ。綺麗な人。本当にこの人が老師？いや、タウパイパイのセサソンフォト。技も教えてもらった。この人がいなければ今頃俺は人の出会いは天の意志だって父が天の意志そう亮がその人に会ったのも偶然じゃない天が亮を導くためだったのかも天の意志la destinée tu fais bien de dire ça parce queVisiblement, Ryo est quelqu'un de très touché par la destinée. Il raconte pas les gens au hasard. Et allez, bouffons! Ah non, c'est pas ça. Watashi wa. Ah! Ça te fait rire. Connasse.歩き詰めだったからな。Voyons. 明日、家に着いたらいっぱいごちそうする。簡単なものしかできないけど。C'est marrant parce qu'elle est sur la jaquette de Shenmue. ごちそうか。
Alors qu'on la voit pas du jeu, à part un rêve. Oui. Et dans la cinématique d'intro. C'est ça. Ah, du lapin, il a l'air d'être surpris parce qu'il mange pas de lapin au Japon. Non, par contre, tu manges du poisson cru, hein. じゃあ、肉はどうやって？山で取ればいい。山か。大変そうだな。時々父が捕まえてくる。ウサギとかキジや山鳩どうかした？今まで考えもしなかった。肉も野菜も買うだけだったからな。山で取れたものは山からの贈り物。肉は飢えを癒し、毛皮で寒さから身を守る。全ては山の恵み。 それが山で暮らすってことか。そう。もう夜も遅い。そろそろ寝た方がいいんじゃないか。ええ。 明日は晴れるわ。 え？ 風が変わったから。それだけでわかるのか。この季節は西風が吹くと晴れるの。そうか。もう遅いな。先に休んでくれ。俺は火の番をしてる。ありがとう。 Là, il y a autre chose qu'on peut préciser sur ce CD4, c'est qu'il est traduit intégralement. Celui-là, il est vraiment fini. Quelques heures plus tard, oui, il est à 100%. Il n'y a pas énormément de personnes qu'on rencontre, évidemment. C'est plus facile. Et autre chose à préciser également, après je me tairai, c'est que une fois que la version finale sera sortie, on peut en faire un test. Normalement, ils vont s'arranger pour le sortir le même jour, le test et la version finale. Je crois, il me semble. Donc voilà, allez voir ce que fait Hooper, il fait bien. Et Ryo qui fait du tai chi. Ryo ? Si je me trompe pas, c'est bien du tai chi.悪い。起こしたか。うん。一眠りできた。太極拳。それもお父さんから？でさ。いや、香港で習った。身を見まねに近いけど。大地の気を吸い上げ、丹田に溜めるって聞いた。ああ、せきらプリメ。あ、ロブサーバン。石にも。そう。 私はいつも森から力をもらっている。森から。 あ、あの声は。狼。狼。この辺にいるのか。そう。狼が多いから狼山って名前がついた。そういえば、狼は夜行性だと聞いたことがあるな。 ええ。夜になると時々群れで人を襲うわ。人。シェンファーは怖くないのか。火を焚いていれば大丈夫。火には絶対に近づかない。そうか。だから入り口で火を。火を絶やすわけにはいかないな。今度は私が火の番をする。亮も少し眠って。いいのか。うん。OK。 Arigato. Un petit peu absorbé par le truc, hein, on parle pas trop. En même temps, on vous laisse profiter. Hein, ces passages ont tellement une ambiance fabuleuse. Encore quelques heures plus tard, 2h50 du matin.
Bravo, bravo. Applaudissements, applaudissements. Ah, on aurait pu la couper un plein milieu. Bon. Il y en a que je suis sûr qu'il y en a qui auraient râlé si on aurait fait ça. Oui, on laisse apprécier. Sinon, si vous voulez couper, vous avancez la vidéo. Oui. Aussi simple que ça. ケイリの山々がきらめいて、綺麗な水が泉に湧き出てくる。その泉が渓水泉の源よ。渓水泉って、行が私を助けてくれたかは。ああ。夏になると、澄んだ水のほとりにホタルがたくさん舞う。だからホタルの川、渓水泉か。そう。シェンファ。そろそろ変わろう。ありがとう。Alors c'est bien parce qu'ils surveillent le feu, mais ils sont pas à côté du feu. j'aime bien le concept de comment surveiller le feu en Chine, quoi. Tu sais, je me demande si selon le moment où on est, la lune est différente. C'est une très bonne question, à mon avis non, c'est une cinématique. Ouais, parce qu'on peut très bien être un autre jour. Hein. Shenmue, c'est un jeu où on peut passer les jours un peu comme on veut. Bon, évidemment, on a une limite, hein, elle est très longue. Je crois que c'est jusqu'à avril, un truc comme ça. Après, on aura un bad ending si on atteint cette limite. Ouais. Là, on est à peu près dans la ligne de temps optimale, on va dire. À 2-3 jours d'écart, je pense. C'est ça. ああ、シェンファーの言った通りだな。行きましょう、こっち。ああ。リョウ、見て。変わった形の山ばかりだな。でも、綺麗でしょ？ああ。酸性っていうの。Sansei? Shaquille O'Neal, c'est ça? Non, Shaquille.
Shanking. Bon, on change d'écran. La forêt. Ça tombe bien, j'avais pas vu de forêt depuis longtemps. Bon, ben voilà, super. Allez, c'est tout pour cet épisode. On se dit au revoir. Et donc, à plus, Végito. Et à plus, Vieri. À bientôt, tout le monde.